Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, apparemment, le jeu a décidé que c'était un épisode spécial Noël. Ah! Trop cool! Les jeux qui s'adaptent et tout! Alors, la dernière fois, on avait fait une deuxième run Berserk qui s'était vraiment mal passé, enfin, relativement mal passé, j'étais même pas arrivé au deuxième boss, mais cette fois, qu'on va faire, c'est qu'on va faire une run poisson. Poisson de Noël, on va l'appeler. Ah! Allez, go, 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 run poisson. Et pour aller avec la run poisson, on va prendre. Hop. Hop, ce skin là. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça la run poisson. Ah! J'avais pas vu anguille sous roche. Alors vous commencez avec ces objets. Vous n'avez pas besoin de les garder. Ça c'est cool ça par contre. Voilà, j'ai des poissons. J'ai plein de poissons. Alors, j'ai une pépé poisson. Pour chaque poisson adjacent ou diagonale. Ok, donc c'est à ça qu'ils servent les autres. On va voir ce qu'ils font tous mes petits poissons. Alors voyons voir. Donc celle-là, c'est une épée qui fait plus 2 de dégâts pour chaque poisson qui est à côté. C'est cool ça. Et elle me demande que 1 en énergie en plus. Elle est légendaire. Alors voyons voir. Ça, c'est quoi? L'utilisation ajoute 8 de hâte au porteur. Je vais pas l'utiliser tout de suite. Soigne 8 points de vie. Ajoute 4 de régénération. C'est que des consommables en fait. Ajoute 2 d'énergie. Et ajoute 6 de régénération. C'est que des consommables les poissons en fait. Sauf l'épée. Ok, Doki. Oh regardez, il neige même à l'intérieur dans les combats. C'est trop mignon! C'est trop mignon, il neige dans les combats. Alors. Toi, tu vas faire 14. Ok. Et lui, il va partir parce que du coup, il n'y a plus son pote. J'ai gagné un niveau. Alors, voyons voir ce que je vais faire. C'est que je vais mettre des cases ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre des poissons de l'autre côté pour qu'ils fassent encore plus de dégâts. Et des cases en dessous. Voilà, une case en dessous aussi. Parfait. C'est parfait ça! Alors, est-ce que j'ai des poissons? J'ai ça comme épée. Inflige 8 dégâts à l'utilisateur. Attends, à l'utilisation, inflige 8 dégâts. Pourquoi il y a des petits carrés sur le côté? Ok. Ça sonne pour moi, j'ai rien compris. La lame du glas, c'est pour ça qu'elle sonne pour moi. D'accord. Les armures adjacentes et diagonales. Ok, j'ai pas d'armure. Je vais prendre ça déjà. Là pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin d'armes en plus en fait. J'aurais peut-être besoin de la potion acide. Le temps que je trouve un poisson. Celle-là, elle fait 3, hein. Elle fait même 4, je peux pas la prendre. Par contre, ouais, je pense que... Ah, inflige 2 aux faiblesses au porteur, non. Je vais prendre les couperets et s'il faut, je les vire. Parce que de toute façon, pour 1, ouais, il va falloir que je les revende en fait. Je pense que je vais faire ça, je pense que je vais les revendre. C'est quoi le point d'interrogation? Yann dans les manches! Ah ouais, c'est le magicien. J'espère que je vais tomber sur la tutune. La tutune de Noël. La tutune de Noël. Et non. Bon bah tant pis, pas la tutune. J'en veux pas. Dommage.
Alors ensuite, vous savez quoi? Je vais faire un deuxième ennemi et après je vais aller voir le coffre. Ok, donc. Tous les deux, ils me font pareil, sauf qu'il y en a un. Voilà, je vais taper celui-là d'abord. Et l'autre, ben, je vais le taper aussi. Et tant pis, il va me faire 6, mais c'est pas grave. Voilà. Franchement, tant... Ah, mais je suis bête en plus. J'aurais pu mettre ce poisson-là pour qu'il fasse encore plus de dégâts. C'est à ça que j'ai pensé en faisant mon sac et j'ai même pas pensé à le faire. Alors, voyons voir. Je vais en mettre un ici. Un ici. Et... un ici. Oh! Et un ici. Au cas où j'aurai un petit gangan. Au cas où j'aurai un gant, ça sera super pratique. Oh là, c'est quoi ça? Alors, bouclier du bonheur ajoute 5 de blocage, plus 1 au coût en énergie à ce combat, et en cas d'attaque, moins 1 au coût en énergie à ce combat. Ça veut dire que si j'attaque avant de le mettre... Ok, ça a l'air sympa, je prends. Toi, je vais te mettre ici. Ok, alors ça c'est quoi? Ouh, un cadal? Oh, moi j'adore les cadals. Festif, cadeau. Ordinaire. Gardez-le jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui a besoin d'un cadeau. Je prends. J'aime bien offrir des cadeaux. Alors ensuite. Et la tutune, la tutune. Voilà, j'aime bien la tutune aussi. C'est pour le village. Ok, cool. Ok, toujours pas de poisson, mais un autre cadal. Ok. Et les autres, je sais que ça va pas intéresser, en fait. Pour en prendre un, histoire de le vendre. Pour cette obstruction, j'ai pas d'obstruction. Non. Bon, bah, au pire, je prends ça pour le vendre. Au pire, je vais prendre ça pour le vendre. Je reprends un peu de vie. Ouais. Oh, c'est le coq torse-poil. Torse-plume, excusez-moi. C'est un coq. Alors, il est torse-plume. Je commence à me faire des victuailles, mine de rien. Hein. Je suis content. Hein. Ok, je vais aller me battre. Hein, parce que mon poisson, il est super puissant. Ok, donc toi, je vais te massacrer ta tête. J'ai peut-être pas compris à quoi il sert le truc. Parce que je croyais qu'après avoir attaqué, il allait baisser en fait. Mais apparemment non. Faut peut-être que je l'utilise, j'attaque, je l'utilise. Bon, tant pis, je vais me prendre un petit peu de dégâts, mais c'est pas grave. Ouais, non. Tant pis, je vais le laisser fuir, mais c'est pas grave, hein, franchement. Alors, voyons voir. Toujours pas de poisson, en fait. Les seuls poissons que je vais avoir, et c'est un petit peu... Et c'était un petit peu prévu. Hein. C'est les poissons du départ, quoi. Hein. Vous savez quoi? Je vais virer ça, parce que ça me sert à rien. Et je vais prendre la clé à la place. Peut-être que ça va m'ouvrir un bon coffre, la clé. L'utilisation ajoute 6 de régénération au porteur. Ok, vous savez quoi? Je vais virer un de mes couperets qui me servent à rien. Et je vais prendre la potion à la place.
consommables, et je crois que ma ville, elle a besoin de consommables. Même si moi, j'ai pas trop tendance à les utiliser, comme vous savez. Anneau de crise, c'est un accessoire. Les objets adjacents sont utilisés... Non. Là, je... À l'utilisation. Ah ouais, il demande un de magie. Tous les objets adjacents sont utilisés d'un coup. Ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas de magie. C'est un accessoire. Ça me servira plus qu'une arme, je prends. Faut que je commence à penser à la ville, en fait. Je pense pas assez à la ville, je trouve. Et du coup, le marchand... Je vais peut-être pas lui vendre grand-chose, en fait. Ok, je vais commencer par donner un cadeau. Oh, Anna, bénis-nous tous! Vous entendez un infime couinement. S'il vous plaît, héros à cadeau, s'il vous plaît, aidez, avez-vous des cadeaux à me faire pour ce solstice d'hiver, c'est difficile à dire. Ah, carrément, j'ai un cadeau à te faire. Alors, tu préfères lequel, le rouge ou le violet? Allez, je te donne le rouge. Oh merci, s'écrie-t-il fou de joie. Tenez, j'ai trouvé cet objet alors que j'étais allongé dans le caniveau. Quand vous l'aurez tenu en main une fois, vous risquez de vous mettre à en voir partout. D'accord. C'est quoi ça? Toupie. Les armes adjacentes obtiennent plus 0 dégâts. Chaque combat définit le bonus sur 0. L'utilisation définit le bonus de manière aléatoire entre moins 5 et 5. C'est un accessoire. Mon problème, c'est que ça va pas m'intéresser. Je le garde pour pouvoir le revendre. Parce que dans ce genre de jeu, déjà qu'à la base, j'ai pas spécialement de stratégie. Enfin, j'ai du mal. Alors, en plus du random dedans, c'est même pas la peine. Mais je vois très bien ce que c'est. Ok, alors voyons voir le... Oh, ok. Ok, donc je vais vendre la toupie déjà. Parce que la toupie, elle peut me donner un moins 5. Comme elle peut me donner un plus... enfin, j'ai même pas regardé. Je me suis arrêté au moins 5. Hein. Je vais être totalement honnête avec vous. Je garde la clé. Je ne garde pas le... Oh, quoique. C'est un accessoire. J'avais besoin d'accessoires. Ok, toi, je vais te mettre là. Alors, toi, pour chaque rangée en dessous... Ouais, je pourrais peut-être intervertir et mettre ça ici. Comme ça. Il me fait juste 3 de blocage, mais c'est mieux que rien, 3 de blocage. On va être honnête, hein, c'est quand même mieux que rien, 3 de blocage. Et une esquive par combat, c'est quand même pas mal aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie de virer ça. Tant pis, je vais lui vendre ça. Et je vais prendre ça à la place. Ah, il est trop cher! Il est à combien? Il est à 20! Valeur 5! Ouais, mais je voulais le garder! Valeur 3. Ah! Tant pis. Suivant. Parce que ça reste important. Une esquive au bon moment, même si du coup, voilà, j'ai un peu de mal. Mais une esquive au bon moment, ça peut te faire remporter un combat quand même. Il est encore là, lui? Je peux lui offrir un deuxième cadeau, hein. Mais je sais pas si c'est... Dit-il en essuyant la crasse de ses coussinets sales. Il faut être sage pour recevoir des cadeaux. Sans doute que j'ai pas été assez sage. Je viens de te donner un. Mais le truc, c'est que je vais pas te donner deux cadeaux. Enfin, je veux dire. Là, ça m'intéresse pas de te donner deux cadeaux.
Ok. Parce qu'il faut quand même faire des trucs un petit peu stratégiques aussi. De temps en temps. Alors. F3-3, ça fait 10. Et lui, il va me faire 12. Donc, je vais essayer de... Parce que lui, ça, ça me coûte rien. Donc, je vais essayer de me le faire, lui. Voilà. Je vais esquiver. Et je vais commencer à le taper, lui. 25. Heureusement que j'ai assez pour le battre, parce que j'aurais... j'aurais regretté de pas avoir esquivé maintenant, moi. Oh là 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 là! Alors. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le mettre... Lui là. Je vais le mettre là-haut parce que comme ça il marche, utilisable une fois par combat. Il n'est pas dans la rangée du haut. Ben voilà, il est dans la rangée du haut et lui, je vais le mettre encore plus en haut. Et tiens, et pourquoi je... Oh. Je vais reprendre un cadeau, je pense. Pour chaque rangée en dessous. Lui, il n'a pas besoin en fait, donc je vais le prendre. Comme ça, je vais avoir un blocage de 7 de base. Ça va vraiment me servir ça. Je vais pas pouvoir prendre l'armure, par contre. Dégâts 10 à tous les ennemis, je prends. Et c'est bon. Ok, j'espère que je vais arriver à totalement terminer le machin, moi. Je me sens un peu plus confiant. J'avoue, les énormes dégâts de mon épée poisson font que je me sens quand même beaucoup plus confiant que les autres fois. Ah, le rat musclé! Pardon. Vous voyez un mur devant vous, et en fait, c'est un capybara. Je cherche un arc. Mais j'ai pas d'arc. Ah, parce qu'il cherche, il cherche des trucs spéciaux, en plus. Moi, j'ai pas, moi. J'espère que vous n'avez pas... Ah, est-ce que j'ai quelque chose à... Non. Non, j'ai que du poisson pour lui et le poisson, je le garde. Le poisson, c'est trop important pour mon build, en fait. Ok, ok, ok. Et ça, c'est un coffre. Hein. Ok, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est quoi, ça hein? Une épée à plasma, utilisable une fois par tour. C'est quoi, ce truc? L'arme adjacente au-dessus obtient plus 3 aux dégâts. À l'utilisation, inflige 7 dégâts. Ouais, ça va pas être pratique. Je vais prendre la bière. J'ai un peu envie de comboter, mais mon problème... Je sais pas du tout comment je vais réussir à comboter et garder autant de dégâts en fait. Parce que là, si je la prends, ça va juste me virer des dégâts de mon poisson en fait. C'est juste ça que ça va faire. Donc non, ça m'intéresse pas. Plus tard, quand j'aurai un plus grand sac peut-être, mais pas maintenant. Go, go, coq, torse, plume. Go, go, coq, torse, plume. Yes. Trop bien. Alors, voyons voir. Il me fait 5. J'ai pas besoin de... Ok, parce que vous savez quoi? Je vais juste le matraquer. Et il gagne un petit peu de dégâts à chaque fois que je le tape. Là, il est passé à 8. D'accord. Ça va. J'ai 7. Ok, là, il a 2 x 6. Je peux utiliser le bouclier, du coup. Comment ça se fait que je peux utiliser le bouclier maintenant?
Avant, je pouvais pas. J'ai pas totalement compris à quoi il sert le... Enfin, comment il marche. Parce que à quoi il sert, je sais à quoi il sert. Mais comment il marche, le bouclier, là? Yes. Alors, voyons voir. Oh, j'ai un Zalter! Cet objet est lourd. Il va tomber tout en bas, je pense. En subissant les dégâts, les effets à chaque tour sont appliqués à nouveau. Désactivé pendant un tour. Ok, j'ai pas compris. Quels effets à chaque tour? Vous croyez que, par exemple, les... Par exemple, le casque? J'ai envie de le tester, le machin. Par contre, il va falloir que je vire un truc si je veux le tester, parce qu'il fait deux cases. Ça, c'est quoi? Le démon bouclier! À l'utilisation, toutes les armes adjacentes sont utilisées. Et à l'utilisation, les armes adjacentes sont désactivées. Mince! Esprit protecteur. Gardez la moitié de votre blocage au prochain tour. C'est cool, ça! Je crois que je vais virer mes cadales. Tant pis, hein. Je vais moins être dans l'esprit des fêtes, mais je veux la garder, mais je veux la gagner, celle-là. Donc, toi, tu vas aller là-haut. Toi, tu vas aller là parce qu'apparemment, t'es lourd. Et on va virer quoi d'autre? On va virer ça aussi. Et on va prendre l'esprit protecteur. Mince! Tu veux pas vendre plus d'objets? Bon, bah, du coup, on garde un cadal alors. Hop. Dommage. Bon, ok, je pouvais prendre que l'alter. Après, je vais voir ce que ça fait l'alter. Hein. Peut-être qu'elle va devenir plus musquée. Peut-être qu'elle va devenir plus musquée comme un rame à ma souris 7. Hein. Alors, voyons voir. Ah oui. Ok, alors je vais te donner à prendre. Parce que c'est un consommable et j'ai besoin que tu aies des consommables. Je vais te donner la tutune parce que j'ai besoin que tu aies la tutune. Franchement, 34 sur 40. Je pense que je vais te donner ça aussi. Alors pour 4 PO, 25 points de vie. Ok, et du coup, je vais utiliser mes 5 derniers... Je peux utiliser mes 5 derniers PO aussi ou pas? Non, ok, c'est pas grave. Je vais me je vais retrouver de la vie d'une manière ou d'une autre. Alors, voyons voir. Oh, re de la thune, ok. C'est dommage, j'aurais peut-être dû faire le... Je vais prendre la rose aussi. J'aurais peut-être dû faire la taupe en dernier. Je suis en train de me rendre compte que je fais la taupe en premier au lieu de la faire en dernier. Ajoute 6 de rage au porteur. Inflige 1 de dégâts. J'ai pas envie de m'infliger des dégâts tout seul. Par contre, je vais prendre la rose. Marée enchantée, j'ai toujours pas la clé, il me semble. Par contre, je peux aller à l'autre. Ok, premier... Oh, il y a une guirlande derrière, vous avez vu, il n'y avait pas de guirlande avant! Là, il y a une guirlande, c'est trop cool! Alors, 5, 7, 7. Tu vas me faire mal, toi. Et tant pis pour la chance, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais. Quitte à me prendre les 5-7-7, j'aurais peut-être mieux fait de taper le mec à 6 en fait. Ok, je vais esquiver parce que je peux pas faire autrement.
Ok, donc lui, en fait, quand on le tape, il fait rien. Elle est tellement jeu. J'adore les jeux qui s'adaptent à l'époque où on est. C'est trop trop bien, bah du coup, comme ça, vous savez. Cette vidéo, je vous la fais à Noël. Alors, je vais gagner des niveaux. Alors, voyons voir. Voilà, je prends un casque. Je vais prendre le manger parce que c'est très important le manger. Même si je sais pas trop où le mettre. Il me reste un objet. Je pense que je vais prendre le... Ah non, je vais prendre la thune. J'aime bien la thune. Ok, alors. Comment on se retrouve? Cette fois, je vais te botter les fesses. Les fesses avec des yeux partout. Et que t'as l'air d'avoir des tentacules et tout. Tu veux vraiment pas venir à Colavrosac? Tu serais une super deuxième héroïne, tu sais, avec ton gros sac à dos et tout. Jamais. Vous, les habitants de la surface, vous êtes tous pareils. Vous venez ici, vous détruisez tout. Et vous bottez le derrière de tout le monde. Et vous volez toutes nos affaires. Toutes. Pas plus tard que la semaine dernière, et certains de vos guerriers aux longues oreilles ont incendié le village de Blinky, ma meilleure copine. Des guerriers aux longues oreilles? Ça ressemble à la garde royale, ça. Mais tu te trompes, hein, je les déteste. Hein. Je te demande de m'aider à les arrêter, justement. Mensonge! ⁇ 250. J'avoue, 250, ça fait beaucoup. Va peut-être falloir que je mange, moi. Ok, j'ai 11 en blocage. Donc ça va le faire, peut-être. Ok, j'ai 16 en blocage, donc ça va peut-être le faire un petit peu. Voilà, et je vais esquiver un coup quand même. Ok, cool, ça passe bien, ça passe bien. Oh, ça s'est passé aussi mal que la première fois. Et pourtant, j'avais encore plein de trucs dans mon sac à dos. Et j'avais tout pris et je pensais que j'allais pouvoir gagner et tout. Et en plus, elle me fait trop peur avec ses gros yeux. Pas besoin de continuer à nous battre, on peut coopérer. Reviens au village et nous pourrons te soigner. Avec mes gros yeux. C'est un bouffé des escargots que j'adore. Je sais pas trop ce que c'est, mais je note ça comme... Peut-être plus tard alors, quand t'auras mangé tes escargots et tout. Je suis pas spécialement en forme là. Il va peut-être falloir que je mange un poisson, moi. Ou alors que j'aille acheter des trucs... ouais.
Ok, t'as de la bière. Ou 6, je prends. Vent pour 40 matériaux en plus. Ouais, mais attends, ça prend 4 cases. C'est pas possible, ça prend beaucoup trop de... En premier truc, peut-être, mais pas en deuxième. Oh, ça c'est quoi? Un vêtement légendaire. Wow, mais je peux pas, j'ai pas la place. Vous savez quoi? Je prends la potion. Et on verra ce que ça donne. Bah, j'ai une clé. J'ai une clé. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? C'est pas à ça que ça sert les petites clés? Ouais, je crois que c'était à ça que ça servait les petites clés. Ok, tu me fais 8, ça me va. Voilà, sur les trucs qui servent pas en combat, c'est parfait. Impeccable. Alors ça, est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Oh, c'est légendaire! Retire 1 d'énergie. Ajoute 4 mana. Non, on s'en fiche. Un bonsaï. C'est du truc de magie aussi. Ok, une potion acide. Pas grand chose en fait. Et j'ai pas envie de prendre un truc. Je vais prendre la potion acide. Il y a des chances que j'utilise toutes mes potions, boss. Hein. Je vous préviens. Et la clé, je sais même pas à quoi elle sert. Elle m'a même pas servi à ouvrir un coffre. Hein. Voilà, je vais prendre que des potions. Le reste, je sais pas. Le reste, c'est que des trucs magiques. Genre, je suis en run magie, mais c'est... je suis même pas en run magie, moi. C'est qui le boss? Ok, c'est le blaireau. Ok, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais tuer le porc épique d'abord. Et je vais utiliser une de mes potions pour essayer de pas perdre trop de vie en fait. Voilà, je la mets là. Elle m'empêche rien. Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un machin ou pas? Non, je vais garder ça pour le boss, j'ai dit. Mais par contre, je vais esquiver ses dégâts. Voilà. Le fait que mon épée poisson efface une tonne de dégâts et demi, c'est vraiment trop bien. Je suis porté par l'épée poisson là, hein, dans tout le run. Hein. Je vais reprendre encore un autre casque et je vais le mettre là du coup. Ça me fait encore un peu plus de blocage. Et pour le boss. T'as du soin. S'il y a un objet le long d'une diagonale, cet objet est désactivé.
Ça, c'est quoi, ça? Gemme de flamme. Les armes adjacentes obtiennent plus 2 de brûlure. Ouais, mais il est à 20. Je sais pas à quel point j'ai besoin des trésors à Havresac, en fait. Tu l'as? Je sais même pas. Allez, hop, je vends. Voilà. Et ça va être bon pour moi. J'ai peut-être fait une grosse bêtise comme d'habitude, mais c'est pas grave. Sur 45, c'est pas mal. Go, 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 le méchant. Ok, il va me faire que 2. Je prends. Là, il va me faire 6. Je prends pas. Là, il va me faire 4. Je suis obligé de prendre. Là, il va me faire... 6. Allez, je prends. Tant pis. Alors, lui... Lui, c'est... Pour chaque colonne à gauche. Ok, je vais le mettre à la place de la rose alors. Et je suis obligé de prendre ça aussi. J'ai 10 points de vie. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Une guirlande à jouer sur une armure, un bouclier ou une structure. Mince. C'est une guirlande, c'est festif, mais je vais pas pouvoir. Les armes de cette colonne obtiennent plus de 200. Ok, il a rien, j'ai compris, il a rien. J'espère que je vais pas mourir. Ok, là je vais être obligé d'utiliser mes... Mais attends, c'est moi en fait. J'avais même pas vu, mais c'est moi en fait.
Ça donne quoi, ça? Ça donne 10 points de vie, je prends. Les consommables adjacents et diagonaux obtiennent plus 5 de soins. Ok. Ok, ça, c'est cool, ça. Ah bah tiens, je pourrais prendre un cadeau. Je sais pas si je garde la rose. Parce que un d'épine, c'est pas GG. J'ai pas GG quand même. Je vais prendre le cadeau et je vais le donner du coup. Ok, alors je vais te donner le petit cadeau là. Oh merci! S'écrie-t-il fou de joie. Tenez, j'ai trouvé cet objet alors que j'étais allongé dans le caniveau! Parce que c'est là que je dors, dans le caniveau! On est dans le donjon, donc c'est le caniveau du donjon, j'imagine. À jouer sur un objet, des objets cibles sont détruits. L'utilisation ajoute un d'énergie. Non, ça m'intéresse pas. C'est beau être légendaire, ça m'intéresse pas. En fait, ils ont beau être légendaires, ils sont pas forcément intéressants, les objets de, les objets de fête de Noël. Hein. Ok, j'ai un 10 et j'ai un 19. Alors voyons voir les consommables. Donc je vais commencer par utiliser les trucs à côté. Pour voir si je me soigne. Ouais, je me soigne. Ok, cool. Ok, je vais tuer le 19 d'abord. Je pense qu'on est bon. Ok, c'est cool. Alors, voyons voir. Les Nunchaku, ils m'intéressent. Pour chaque objet adjacent, pour chaque case vide adjacente, il faut des cases vides pour les Nunchaku. C'est vraiment pas intéressant, ça. Ok, je prends ça. Ça, je le prends pas, ça. Les altérations, j'en ai aucune. Et je peux prendre le shuriken. Hop. Et je vais arriver au boss. Oh là là. C'est pas du tout. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, hein, mon arrivée au boss là. J'ai 20 points de vie. Ok, je vais commencer par empoisonner. Non, mais il invoque. Alors, autant que j'attende qu'il invoque avant d'empoisonner, en fait. Ouais, ouais, je vais faire ça. Je vais attendre qu'il invoque avant d'envoyer des trucs. Hein. Voilà. Et ça empoisonne tous les ennemis, donc c'est cool. Et j'ai encore mes attaques. Ok, 10 et 11, je vais me prendre 2 de dégâts. Ça passe.
Ok, qu'est-ce que je fais? Je continue à taper. 11 et 3. Ok. Qu'est-ce que je fais du coup? Je pense que c'est bon, hein. Ok, je vais peut-être y arriver cette fois, je vais peut-être y arriver. Ouais, donc par contre, le 71, il me fait 16. Oh, il commence à me faire trop de dégâts, là. Ouais, 16 et 14. Ok, je remonte à 24, je remonte à 24. Oh, il est à 3! Ouais, ils vont tous se casser! J'ai battu le boss! Je suis trop content, j'ai battu le boss de la deuxième zone! Je suis tellement content! Franchement, et l'épée... En fait, la quête poisson, elle ressemble à rien parce que t'as que du poisson, mais l'épée poisson, elle est tellement puissante! Oh, elle est giga trop puissante, l'épée poisson! À partir du moment où tu décides que tu vas rien manger comme poisson et rien utiliser d'autre comme poisson, elle est trop trop puissante, l'épée poisson. Et là, j'ai tous les consommables que je veux, du coup. C'est trop cool. Ouais, je suis revenu. J'ai fait plein de choses. J'ai battu le deuxième boss. Sir Wortley. Alors voyons voir. Excellent travail. Tu as rapporté énormément de choses. Les habitants d'Orderia te remercient. Il y a d'autres zones à débloquer. As-tu des étincelles? Oui, j'en ai plein. Regarde, j'ai deux étincelles pour la clé de la ronceraie. Génial. Vas-y. La ronceraie, c'est là où il y a le rouge-gorge. C'est là où il y a les rouges-gorges, genre la loi et tout. Tu as conquis la crypte plusieurs fois. Je suis impressionné. À l'époque où je portais un sac à dos, je l'explorais parfois aussi. Eh ben dis donc, toi aussi t'avais un sac à dos magique, Pépé. Trop bien. Mais je connais également un autre chemin. À ton entrée dans le donjon, observe bien. Il existe un autre moyen d'éviter les cryptes et d'aller directement à la deuxième zone. Je savais pas ça. Ok, la ronceraie. Les animaux ont longtemps exploré les sinistres cryptes qui s'étendent sous Orderia. Mais un nouveau chemin à travers la ronceraie invite ceux qui sont assez forts. À la place, tu peux traverser la ronceraie. Yes! Je débloque des trucs. Moi, je voulais voir mon tableau de bord, là. Pour voir si je peux pas débloquer quelque chose. En fait, mon problème, c'est que... 5, 5, 5. Ah, j'ai bien 5 à mettre de chaque, non? Ok, je vais voir si je peux construire d'abord le champignon magique. Je peux. Ok, le champignon magique! Loup, champignon magique. Ok, créer 10 trésors pendant que vous êtes dans le donjon. Mais c'est parfait, ça. Est-ce que je peux créer autre chose? La cabane de pêche, j'en ai déjà mis une, il me semble. La bibliothèque, je peux pas. Le forgeron, je peux pas. Ok, aucun des autres trucs, je peux. Mais c'est pas grave. J'ai fait mon champignon magique, que ça fait un peu 3 runs que je veux le faire. Ok, sinon... toi là, je peux te faire. Ok, vous commencez avec ces objets que vous devez conserver toute la run.
C'est quoi, c'est une crème glacée? Vous commencez avec ces autres objets que vous n'êtes pas obligé de conserver. Et le... Ok, moi je veux bien. Moi franchement je veux bien. Ok, donc maintenant en fait, à chaque fois ça, des nouvelles tentatives de run en fait. Défense rouge et tout. C'est trop bien, je vais aller voir dans les autres bâtiments. Alors là, j'ai plus 2% à chaque gain d'or. Ok, ok. Je commence avec un fût à bière et une bombombe. D'accord. Consommable. Bah, j'en ai plein des consommables. Sincèrement, je prends ça en consommable. Hop. Ah, trop cher, mince. Oh mince, si j'avais su. La potion étoile crée quelque chose de merveilleux. Ou une horrible malédiction. Du lait. Ah ouais, consommable et poisson, ça je pourrais le faire ça. Voilà, du lait. Après, en parlant de poisson, je vais peut-être aller voir à la cabane du pêcheur s'il y a un truc. Mince, je l'ai pas faite. Que je vais faire du coup. Ok, je vais vendre ça, je vais vendre ça. Vendre ça. Vendre ça. Et au niveau des casques, je crois que je vais les garder quand même un peu, non? Voilà. Ouais, je vais pas pouvoir me refaire encore des bâtiments là, mais c'est pas grave. Il y a quand même quelqu'un qui veut me parler. Oh misère! Ce village, tellement minable! Non mais s'il te plaît, je le reconstruis à moi-même toute seule. Minable, non mais franchement. Quand j'ai entendu parler d'un hameau chaleureux dans la forêt au chinois, du chinois, j'imaginais le chic rustique. Moi je t'aime pas toi. Ou au moins le confort campagnard. Non, ça va pas. Je saigne des yeux devant cette sécheresse, ces vastes étendues de néant. Ah, tu veux un marécage, c'est ça que tu... C'est pour ça que t'es pas content, tu veux un marécage, toi? Vous avez de la chance que je sois arrivé, moi, l'illustre Todrick Wortsley. Et j'ai une vision pour ce village. Une vision à monocle. Charmant, prospère, tout en restant discret. Ensemble, ma chère, nous pouvons y arriver. Permettez-moi de vous proposer une nouvelle décoration. Oh, ça j'aime bien les décorations. Ça va augmenter les gains de stats pendant la crypte. C'est quoi ça, hein? Ok. Un piédestal. Placez-la et vous pourrez montrer n'importe quel objet que vous rapportez. Montrez-leur vraiment votre œil de collectionneuse. J'ai un autre cadeau pour vous. Un endroit où nous pourrons rechercher plus d'accessoires. Ok, atelier chercheur... D'accord. Une bijouterie. Ah oui, je comprends mieux, ouais. Avec cela, votre sac à dos peut être une déclaration en soi. Les accessoires ne sont pas donnés, mais la récompense est élevée. J'ai encore quelques idées pour une jeune rate entreprenante comme vous. Continuez les recherches et je formaliserai mes projets. Trop bien! Ok, alors. Je peux le mettre direct, le pédestal. Il me coûte que 5 ans. Ok. Je mets où? Je vais le mettre là. Je vais en mettre un deuxième là. Ok. Je suis pas totalement sûr de ce que je suis en train de faire. Ça, c'est quoi? C'est une relique. Donc, je pense qu'il faut... Ah, je pourrais peut-être le vendre. Non, je vais le mettre là. Hop. À côté de l'école, on va apprendre les haltères à l'école. Ah! Et il y a quoi d'autre? Je vais mettre ça aussi. Ça aussi, c'est une relique. Ah non, ça c'est un accessoire, c'est une gemme. Bon, au pire, je la reprendrai plus tard s'il faut. Une arme rare. Ah bah, c'est carrément légendaire, ça, tellement c'est rare.
Ok. Bon, ben, j'ai au moins un nouveau truc à faire la prochaine fois. J'ai au moins ça à faire la prochaine fois. C'est trop cool. Ok, je vais essayer. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir un nouveau run différent à faire à chaque fois. Parce que les runs différents, c'est trop bien. Là, il me faudrait une arme magique et une pierre de mana. Il faudrait que j'essaye de garder ça pour la prochaine fois, en fait. Okidoki Rocky, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, vous êtes, comme d'habitude, les meilleurs des bestes. Des meilleurs des bestes. Un joyeux Noël à tous, hein, vu que j'enregistre ça à Noël. Le jeu lui-même vous l'a dit, j'ai même pas pu vous le cacher. Ah ! N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochains runs, parce qu'à chaque fois, à chaque run, je vais essayer d'avoir un build différent avec des objets différents et des compétences différentes et tout. Ça va être trop bien. Et cette fois, on a gagné. C'est trop cool. Les poissons, ils nous ont portés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker le jeu si vous aimez les poissons, si vous aimez l'épée poisson, oh, si vous aimez le fait qu'on ait gagné cette fois, parce que franchement, c'était chaud, hein. Et si vous aimez le jeu, tout simplement, parce que le jeu, il est génial. Chers et chers subs, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Encore joyeux Noël. À super très bientôt. Et tchuss.